on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide où je vais vous présenter enfin mes planeurs A7. Je vous les avais déjà un petit peu montrés dans mes studio vlogs, mais là je vous en fais vraiment une petite vidéo. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo face cam en dehors des studio vlogs, donc franchement je suis super contente, ça change un petit peu, ça varie les plaisirs et ça c'est cool. Bon, je fais pas durer le suspense plus longtemps. Voilà les deux petits bébés, les deux nouveaux que vous allez pouvoir trouver aussi bien sur Etsy que sur mon site. Donc vous avez tout d'abord le unicorn et le noir. C'est les deux teintes de planeur, j'en ai pas prévu d'autres à l'heure actuelle. Après, si jamais en fonction des retombées, je verrai si j'en achète d'autres couleurs ou pas. Pour le moment, en fait, j'ai voulu tester un sobre et un peu plus chargé, on va dire. Et puis on verra un petit peu ce que ça dit. Donc je vais vous prendre celui-là pour faire un peu la présentation. Vous allez voir que les deux, c'est les mêmes. Je voulais juste montrer deux façons de faire différentes. Donc c'est un petit clip comme ça. Et à l'intérieur, vous avez des enveloppes de taille A7. Et donc moi j'ai créé mes propres catégories, donc c'est comme les planeurs A6 sauf que là vraiment c'est la moitié. Là vous avez un de mes planeurs A6, voilà la taille du A7 en comparaison. Donc c'est, de toute façon A7 normalement c'est la moitié d'un A6 grosso modo, même si là il a l'air un petit peu plus grand que la moitié. Mais voilà. Et donc à l'intérieur vous pouvez trouver 5 enveloppes zippées. Donc j'intervertis les zips pour pas que ça fasse une grosse épaisseur dans le classeur. Ça je vous avais déjà averti que quand il y a beaucoup d'enveloppes il vaut mieux faire ça pour éviter la grosse épaisseur et que les classeurs débordent et qu'on n'arrive même plus à les fermer. Et donc moi j'ai créé mes propres catégories. Donc course, carburant, sortie, rendez-vous et le défi 5 €. Et en fait moi en ce qui me concerne, chacun fait comme il veut ensuite, mais moi ça va être mon planeur de la semaine. Donc vous allez avoir maintenant des vidéos toutes les semaines je pense où je vais vider ces enveloppes là pour les re-remplir avec l'argent. Vous allez avoir, vous verrez aussi mon planeur du mois, mon planeur épargne, mais celui-ci c'est vraiment celui qui me manquait pour pouvoir faire les choses bien, c'est vraiment celui à la semaine. Dans un sens, ça permet d'épargner encore un peu plus parce que d'habitude, par exemple, j'ai 150 € de budget course, et bah j'avais 150 € pour le mois, mais si j'utilisais 20 € une semaine, 80 € la semaine d'après, en gros, ça se voyait pas. Alors que là, je vais avoir le même montant toutes les semaines, et s'il y a une semaine où je dépense un petit peu moins en nourriture, et bah c'est l'argent qui restera, ira en épargne, et c'est pas de l'argent dont je vais me servir pour compenser la semaine suivante, par exemple. Donc ça va m'apprendre aussi à un peu rationaliser les choses, ce qui n'est pas plus mal. Et moi, en ce qui me concerne, je pense que ça va vraiment m'aider à mieux gérer mon argent et à peut-être à faire encore plus d'économies. Et donc j'ai créé le même en noir. J'ai voulu faire une version chargée, une version sobre, parce que j'avais déjà eu quelques petites réflexions sur mes planeurs A6, des gens qui osaient pas, qui disaient mais moi je me vois pas me trimballer avec un planeur aussi coloré que les gens le voient et tout. Et je m'étais dit je peux pas faire un planeur hyper sobre parce que c'est clairement pas l'image de ma boutique, mais je me suis dit que en planeur, petit planeur comme ça, j'allais pouvoir le faire. Alors là je l'ai fait vraiment le plus sobre que vous pouvez avoir sur ma boutique, c'est à dire un planeur noir avec l'écriture noir pailleté. Mais ensuite rien ne vous empêche de prendre ce planeur noir et de mettre une écriture multicolore, ou de mettre la unicorn, ou de mettre du rose gold, du doré, de l'argenté. Moi j'ai fait les couleurs on va dire par rapport à la couleur du planeur, mais ensuite vous pourrez choisir le nom des 5 catégories. Donc là vous aurez 5 enveloppes, dans ceux-là vous en aurez pas 6 comme dans les planeurs A6. Là vous aurez 5 catégories, vous choisirez les vôtres, mais vous pouvez choisir la couleur du vinyle comme vous pouvez le faire avec les planeurs A6. Ça, ça ne bouge pas. Et donc là comme vous voyez j'ai fait exactement les mêmes catégories. Voilà, alors moi en ce qui me concerne j'en ai besoin que d'un, on est bien d'accord, mais j'ai voulu en créer deux déjà pour vous montrer deux façons de faire différentes. Je voulais pas en créer qu'un seul, comme ça vous, ça peut vous inspirer. Et je vais m'en garder un pour moi et je pense que le deuxième ira à ma maman, hein, elle s'en doute, mais voilà, elle choisira celui qu'elle préfère, même si à mon avis elle va choisir celui-là. Et moi je me garderai celui-là, et moi j'ai aucun souci à aller dans les magasins avec un bien chargé comme ça, il n'y a pas de souci. Autre chose, sur les budgets planeurs A6, je vous propose de pouvoir customiser la couverture. J'ai pas envie de vous les proposer sur ceux-là, déjà parce que comme ça, ça me permet de vous les proposer un petit peu moins cher. Et au-delà de ça, comme c'est des planeurs qui vont finir dans le sac à main, il y a plein de choses qui vont venir frotter contre. Et je me dis que si je mets un sticker en vinyle dessus, il y a un moment, je pense que ça va s'arracher. C'est mon propre avis. Après, chacun fait comme il veut. Mais dans tous les cas, si jamais vous voulez customiser la couverture, rien ne vous empêche d'acheter à côté du planeur un sticker vinyle personnalisé que je propose déjà, de la taille que vous voulez, de la couleur que vous voulez, avec l'inscription que vous voulez. Et en plus de ça, vous pourrez choisir une autre police si vous avez envie. Enfin voilà, rien ne vous empêche, vous, à côté, de customiser à votre manière si vous avez envie.
Après, vous pouvez très bien vous servir de ces petits planeurs pour des planeurs mensuels, que des planeurs épargne. Alors défi pour le moment, moi je propose que des défis en taille A6, je me vois pas en proposer en taille A7. Par contre, je pense que je vais pas tarder à vous proposer des trackers en taille A7. Faut juste que je modifie le fichier, que je fasse des essais pour voir. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresserait d'avoir aussi des trackers en format A7 pour pouvoir mettre dedans. Et je les ferai. Je veux dire, j'ai déjà le modèle, donc ça me coûte pas grand chose de le faire. Et voilà. Mais en tout cas, je voulais déjà vous présenter ces petits planeurs parce que pour moi, c'est vraiment ce qui manquait. Il manque aussi autre chose, mais je suis en train de travailler là-dessus. Mais là, maintenant, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je me dis, j'ai le petit planeur pour la semaine que je peux mettre dans mon petit sac à main. Moi, j'ai un sac à main qui est très très petit, donc j'avais clairement un planeur à 6, je pouvais pas le mettre dedans. Donc là, ce petit planeur, ça valait bien. Ensuite, j'ai le planeur mensuel, donc celui que je vous ai montré. J'ai le planeur épargne, du coup celui-là. Et puis j'ai un autre planeur pour les défis. Celui-là, je le trouve un peu plus... on n'est pas obligé de l'avoir celui-là. Mais je me dis, un planeur pour la semaine, un planeur pour le mois, un planeur épargne, pour moi c'est le combo parfait. Et donc aujourd'hui j'ai tout ce qu'il faut et je suis contente, je peux aller de l'avant, donc je vais vous montrer vraiment comment je m'en sers toutes les semaines. Maintenant vous aurez des vidéos plus détaillées, donc si jamais vous avez des questions n'hésitez jamais à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre, vraiment c'est le but, hein, c'est que chacun puisse atteindre ses propres objectifs grâce à ce système. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans et que ça a marché pour moi, donc du coup j'ai envie que ça marche pour vous aussi. Et voilà, donc je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer ce produit maintenant et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît à moi. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la barre d'infos. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.